Est-ce que vous pouvez revenir sur ACTA, sur ce que c'était, si vous avez voté pour ou contre? Alors moi, j'étais pas là au moment du vote, je crois que j'étais déjà plus député européen, je sais plus à quel moment ça s'est 2012, fait, on a eu une discussion, c'était 2012, parce que c'était, c'était vraiment, moi j'ai eu le débat, on a commencé à avoir le débat en province extérieure. Oui, c'est parce que Barbera a voté pour, donc voilà. Vous n'étiez plus là. Voilà, j'étais plus là moi à ce moment-là, donc après je sais pas le débat qu'il a eu, nous on l'a eu en résurgence, c'est pareil, ça doit être la réciprocité. Vous pouvez pas avoir d'un côté... nous, l'Europe, qui acceptions, si vous voulez, tous les transferts de données, la perception d'un certain nombre d'identifications, etc. Et de l'autre côté, rien à voir en échange et avoir au contraire ce qu'on a eu avec la Maison Blanche au moment de... Vous savez, là, comment ça s'appelle Snowden. Comment Snowden. Non, mais quand on a eu l'histoire... Pour les passagers aériens. Voilà, pour les passagers aériens, etc. Bon. Donc, il ne faut pas du deux poids, deux mesures. Voilà. Donc, après, moi, sur ACTA... Nora Bernard, vous dites, t'as voté pour, c'est ça? Oui. D'accord. Donc moi, après, j'étais plus dans le Parlement à ce moment-là.